時間になりましたので始めさせていただきます。昨日一日非常に密度の濃い議論がなされました。今日は第4部ということになりますけれども、この第4部を始めます前に、昨日からの流れについてごく簡単にまとめておきたいというふうに思います。昨日の第1部は戦後思想をそれを考えるということの意味の問題提起から始まりました。戦後70年という言い方自身に含まれる日本戦後が抱える問題、さらにポストモダンとモダンの思想を改めてどう視野に収めるのか、ポストモダンということを知ってしまったときにモダンというものをどのように考えるのかという、そういう問題提起が第一部でなされました。この第一部の問題提起が主として文学者、歴史家から出されたということに対して、第二部は法学者、政治学者の議論でした。1960年代半ばぐらいまでを対象として、この第二部では民主主義、平和、憲法という主題をめぐる思想が検討されました。第一部に参加をした私からすれば、同じ戦後思想、つまり丸山正雄とその周辺ということを扱っても、分析の作法、認識の仕方、あるいはさらに研究史の整理の仕方というものが随分異なっており、大変興味深いものでした。丸山正雄や、あるいは丸山正雄が考えていたような、そうした民主主義、あるいは平和、憲法という、そういうようなその評価と、それから位置づけの人文的思考と社会科学的思考との差異が見えてきたというふうに思いました。戦後思想というふうに言っても、さまざまな解釈と評価ができるということが、すでに第一部と第二部の中で現れてきたように思います。考えてみれば、戦後の歴史学は丸山政治学との緊張のもとに展開してきたということがあり、それ自身が戦後的であったということも思い起こされたことでした。第3部は、そうしたその第1部と第2部をつなぐようなところで問題が立てられたというふうに思います。大変象徴的であったのは、法学を志していた三浦信孝さんが文学に転向したということによって、第一部と第二部を自らの体験をもってつないでみせた。これはつまり、感情という領域に入り込むということをも意味していて、そうしたその感情の領域に入り込むということは、ナショナリズムということをそれを問題にするということで、第三部では第一部第二部をつなぐという形でナショナリズムの問題がここで扱われました。しかし、一旦ナショナリズムという領域に踏み込んでみると、戦時の彫刻家主義の戦後における解釈の問題や、戦時のナショナリズムと戦後のナショナリズムとの関連、またその評価解釈という非常に広大な領域が見えてきて、議論が大変こう入り組んでくるという、そういうこともまたその機能第三部においては示されたということでもあります。で、そうしたその議論を受けて、今日第四部、戦争と知識人というところから、スタートをしたいというふうに思います。戦争という中で知識人たちが何を獲得していったのか、また戦争ということを知識人たちがどのように戦後において問題にするのかということになります。
昨日と同様にお三方の報告を、お願いしておりますので、お一人ずつ、報告をしていただくということにいたします。最初は、フランス国立東洋言語文化大学のミカエル・リュケンさんでいらっしゃいます。現代思想の基準と展開ということで中井正和をめぐってのご報告があります。それではリュケンさんご報告をよろしくお願いいたします。 Mon intervention porte sur un philosophe qui n'est peut-être pas le plus connu aujourd'hui qui s'appelle Nakai Masakazu. Nakai est un philosophe qui est spécialiste d'esthétique. Il est rattaché à l'aile gauche de l'école de Kyoto et je travaille sur lui depuis plusieurs années. Je me sers de son parcours dans un livre à paraître à l'automne en français pour montrer la diversité, la richesse, la profondeur, l'originalité du champ intellectuel japonais entre 1920 et 1950. Je commencerai par une anecdote. Hasumi Shigeshiko, chacun le sait, a été en japonais l'un des premiers traducteurs de Barthes, de Derrida, de Deleuze. Et il a été l'un des plus importants théoriciens du film de sa génération. Or, il semblerait que Hasumi, d'après une conférence qu'il a donnée en 2007, ait très tôt croisé le chemin de Nakai. En effet, fin 1951, début 1952, à une époque où il n'avait encore que 15 ans, Hasumi aurait rencontré Nakai, qui était à l'époque vice-président de la bibliothèque de la Diète et qui était une connaissance de ses parents. Et à cette occasion, Nakai lui aurait donné un livre intitulé « Introduction à l'esthétique, Bigaku Nyūmon », dont le cœur, comme par hasard, est une réflexion sur le cinéma. Il existe un certain nombre d'anecdotes de ce type. Nakai a profondément marqué un ensemble de jeunes intellectuels nés entre 1920 et 1940 pour la plupart, qui l'ont connu soit à Hiroshima entre 1945 et 1948, soit entre 1948 et 1952 quand il habitait à Tokyo. D'ailleurs, il habitait juste à côté, à Ebisu, Ichome. La réception de son œuvre dans les années 60, période au cours de laquelle il a eu le plus de succès, concerne une génération qui a été touchée non seulement par son œuvre, par son action, mais aussi par son charisme. Parce que quelqu'un qui avait beaucoup de charisme. Et parmi ceux-ci, on peut citer des gens comme Tsurumi Shunsuke, comme Hariyu Ichiro, comme Kurita Isamu, qui l'ont connu dans leur jeunesse, mais évidemment aussi tout un ensemble d'intellectuels qui l'ont connu à Kyoto avant la guerre, qui ont collaboré avec lui, qui étaient toujours actifs dans les années 50-60, à commencer par Kuno Osamu, Shimura Takeshi, le romancier Noma Hiroshi ou le critique de cinéma Imamura Taihei parmi bien d'autres. La critique du Japon moderne est un livre d'entretien que certains d'entre vous ont peut-être lu, publié par Karatani Kojin en 1997, et dont l'objectif était d'interroger l'héritage des intellectuels du XXe siècle. Et dans un dialogue qui est consacré aux années de guerre, Hasumi, qui participe à ce livre, revient à plusieurs reprises sur les apports de la pensée de Nakai, l'originalité de sa réflexion sur l'art et les médias, son rôle historique. Il souligne notamment la proximité entre ce que Nakai dit de la société de consommation de masse où les gens n'achètent en guise d'objet que des images dont ils ne comprennent pas le sens et ce que soutiendra Baudrillard un demi-siècle plus tard. Ce qui amène Hasumi à conclure un peu plus loin, vous avez ici cette petite citation en japonais, on peut même dire que Nakai anticipe tout ce qu'on appelle couramment la pensée contemporaine. Cette remarque constitue l'horizon de mon intervention aujourd'hui. En quoi est-ce que l'œuvre de Nakai peut-elle fournir un modèle de contemporanéité ? Alors, comme beaucoup de philosophes de l'école de Kyoto, Nakai a commencé sa formation par Kant, sur lequel il a rédigé son premier mémoire de fin d'études. Puis, à travers Kant, il a découvert Cassirer, Ernst Cassirer, dont il s'est largement inspiré pour développer une réflexion sur le concept de fonction et ainsi asseoir une méthode critique du substantialisme.
mode de pensée qu'il jugeait irrationnel et qu'il reliait aussi bien à la question du racialisme ou du racisme qu'à la question de la fétichisation des originaux dans le domaine esthétique. Mais il y a aussi une dimension marxiste, bien sûr, à l'œuvre de Nakai. C'est un point qui a longtemps fait débat, à vrai dire, hein, et sur lequel je pense avoir pu amener des éléments de réponse probants. Comme je l'ai dit d'ailleurs ici l'an dernier dans un colloque sur la traduction, et comme je le développe dans un article à paraître dans la revue de l'université de Duke, Positions, Asia Critique, la clé du marxisme de Nakai n'est peut-être pas tant à trouver dans un pas en avant, deux pas en arrière de Lénine, c'est ce que soutient Tzedemyshinsky, mais bien plus, à mon avis, dans les manuscrits de 1844 de Marx et dans les cahiers philosophiques de Lénine. J'ai pu montrer, je vous donne rapidement ici une petite deux pages comme ça face à face avec le texte japonais, sans la mention de l'auteur, le texte allemand. Vous voyez que Nakai a traduit Marx sans le citer. C'est ce qui est très important, c'est que les manuscrits 1844 qui ont eu tellement d'influence sur l'existentialisme, sur les mouvements de contre-culture dans les années 60, n'étaient absolument pas connus en France, par exemple, à cette époque. Il n'y avait guère que des gens comme Marcuse qui les avaient connus. Il y a donc quelque chose de tout à fait précurseur dans ce travail de Nakai sur ces textes de jeunesse de Marx, et qui aussi rappelle l'importance de ne pas penser, de ne pas parler du marxisme comme d'un bloc monolithique. On l'entend trop souvent, le marxisme est quelque chose qui est complexe et qu'il faut savoir restituer dans sa complexité. C'est la même chose lorsqu'on voit les références à Lénine. Ces références à Lénine sont les cahiers philosophiques, ce ne sont pas les textes programmatiques plus anciens. Il y a là une cohérence remarquable de la pensée de Nakai, qui voit ce qui unit les manuscrits de 1844 et les cahiers philosophiques. C'est clairement un marxisme philosophique dans la lignée de Mikiki Oshii que développe Nakai Masakaze. Autrement dit, Nakai, bien que n'ayant jamais été communiste, hein, s'inscrit dans une lignée assez précise du marxisme, un marxisme hétérodoxe, hein, critique, hein, radicalement immanent, qu'on retrouve sous des formes diverses mais convergentes chez des auteurs comme Lukács, comme Mickey, comme Castoriadis après la Seconde Guerre mondiale en France, mais aussi bien sûr chez Marcuse, hein, chez Adorno, chez Benjamin. Et ce double héritage, qu'ancien d'une part, hein, marxiste, hein, ou marxien si vous préférez de l'autre, hein, rend tout à fait légitime à mes yeux l'idée selon laquelle Nakai serait avec Kuno Osamu le fondateur d'une forme japonaise de théorie critique, hein, en référence à la méthodologie élaborée par les penseurs de l'école de Francfort. Nakai a toujours été un penseur d'après-guerre. Aussi étonnant que cela puisse paraître pour quelqu'un dont l'essentiel de l'activité se situe avant-guerre, c'est un penseur d'après-guerre. L'après-guerre a été pensé dès l'avant-guerre. Je m'explique. Dans les revues qu'il a dirigées, en particulier dans Sekai Bunka et dans Doyobi, dont vous avez ici des couvertures, il y a vraiment une constance dans le rejet des logiques mortifères, à commencer par le fascisme et le romantisme, qui sont pour lui deux aspects, l'un populiste, l'autre élitiste, hein, d'une même fascination pour la violence et pour la mort. Alors, quelques exemples de titres qu'on peut trouver dans Sekai Bunka: Les orientations du roman anglais après la guerre, hein, deux, trois œuvres de musique depuis la Grande Guerre, hein, un manifeste contre la guerre par des scientifiques anglais, Les funérailles de Barbus et la revue Monde, hein, Les époux Joliot-Curie, amis de la paix, etc. Autrement dit, le mot Sengo est extrêmement présent dans les pages de cette revue, et évidemment en référence à la Première Guerre mondiale, mais peu importe. Ce qui est fondamental, c'est qu'il se situe dans une perspective constante d'après-guerre. Sekai Bunka est une revue qui mérite vraiment d'être mieux connue. On connaît tous Sekai, fondée en 1945, hein, mais Sekai Bunka me semble, je dirais, peut-être plus importante. Elle l'est moins au niveau de l'institution, évidemment, mais en termes de l'histoire des idées, elle est cruciale. Elle a été fondée par Nakai en compagnie de Kuno Osamu, du physicien Taketani Mitsuo et bien d'autres.
Elle constitue le contrepoint parfait, et tout à fait conscient du reste, de la revue dont Nicolas Mollard nous parlait hier, à savoir Nihon Domanha, fondée la même année, en 1935, par Kame Katsuichiro et Yaseda Yojiro. Entre février 1935 et l'arrestation de Nakai en novembre 1937, elle proposa un nombre considérable d'informations sur les mouvements de gauche en Europe et aux États-Unis. On trouve, outre la logique des comités, qui est le principal texte de Nakai, Inkai no Londi, des essais de Karl Löwit, d'Alfred Döblin, de Marx Horkheimer. Un des plus importants essais de Marx Horkheimer est traduit dans ses Kaibunka en 1935-1936. On y trouve des traductions de billets d'actualité écrits par des intellectuels comme André Gide, comme Romain Rolland, comme Marcel Prenant, pour citer les Français, comme Alfred Kantorowicz, comme Franz Karl Weisskopf, comme Alfred Kurella pour les Allemands et bien d'autres. Plus généralement, on y trouve un nombre considérable d'informations sur la situation en Allemagne et en Italie, sur les écrivains en exil, sur les activités culturelles du Comintern, sur les francs populaires espagnols et français, sur les mouvements de gauche américains, sur le débat autour du retour de l'URSS de Gide, et même, et c'est à souligner, sur les activités culturelles en Chine. Autrement dit, les rédacteurs tentaient de rendre compte de tous les événements ayant une portée significative dans une perspective antifasciste et pacifiste. Même le début des hostilités de la guerre en Chine ne semble pas avoir modifié leur approche, puisque on trouve deux pages consacrées, j'avoue, quand j'ai trouvé ça, j'étais assez surpris, consacrées à la mort d'Antonio Gramsci en octobre 1937. Octobre 1937, c'est quasiment Nankin. Deux pages consacrées à Gramsci ici à Kyoto, ça me semble assez étonnant. En tout cas, ça m'a frappé. Pourtant, je connais bien la période. Ceci dit, tous les articles n'étaient pas signés du nom des auteurs. Il y avait beaucoup de pseudonymes qui étaient utilisés et il y a certains mots qui ne pouvaient pas être employés, comme lutte des classes, comme révolution. Tous les auteurs étaient conscients des risques qu'ils prenaient, bien évidemment. Et ça m'amène à mon deuxième point. Bien que Nakai et ses amis étaient conscients des risques qu'ils prenaient, ils n'ont pas cédé à la peur. Ils n'ont pas cédé à la peur. La peur est pourtant un facteur central pour comprendre les années 30. Je fais une petite digression, mais très tôt au Japon, vous le savez, ont commencé les exercices anti-incendie par crainte des bombardements aériens, notamment à Nagoya, à Tokyo, à Osaka. Dès 1931, vous avez des exercices anti-incendie. De très nombreux journaux parlent de ces questions-là, de la fragilité des villes japonaises en cas de bombardement aérien, qui ramènerait le spectre du tremblement de terre de 1923. On peut aussi prendre l'exemple de ce roman d'anticipation de Unno Jusa, qui s'appelle en japonais Kushu Soso Kyoku, élégie, marche funèbre au bombardement de 1932. C'est très très étonnant. Unno y décrit une série d'attaques aériennes menées par les États-Unis d'Amérique contre le Japon, qui est devenu, je cite, le maître des peuples d'Asie de l'Est. Il y décrit les débuts de la grande bataille navale du Pacifique. Ils sont évoqués aussi la peur de la guerre, les hurlements des sirènes, l'utilisation de masques à gaz, les réfugiés qui s'entassent dans le métro, les colonnes de feu sur la ville, l'inanité des services de secours, les cadavres qui jonchent les rues, et finalement la constitution de bataillons de volontaires citoyens. Autrement dit, à l'exception des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, ils sont donnés dans le désordre à peu près tous les éléments de ce qui constituera la guerre du Pacifique. Autrement dit, la peur, elle était là, les choses étaient anticipées, et c'est un facteur qui a été très important à cette époque. Dans un autre registre, pour rebondir toujours sur la question du romantisme, on le sait tous, des gens comme Yasuda Yojiro et particulièrement Kame Katsuichiro ont appelé les gens à se préparer à la mort de manière explicite à partir de 1937-1938. Nakai n'était évidemment pas sur cette ligne. J'aimerais citer le passage suivant. Giordano Bruno a péri dans les flammes pour avoir refusé de taire la vérité issue des sciences naturelles. Galilée, lui, a accepté le silence, échappant ainsi à la mort, et a juste marmonné dans sa barbe, et pourtant elle tourne.
même Kant cessa un temps de s'exprimer sur la religion pour préserver son emploi. D'une certaine manière, les choses ne sont dites que lorsqu'on est face à la coupe de poison, à l'instar de Socrate. Chaque fois, seul ose parler, ceux qui sont extrêmement attachés à la vérité, les autres enterrent, corrompent ou massacrent une vérité dont les hommes ont le plus pressant besoin, usant de toute la palette qui va du silence au mensonge, conscient ou inconscient. Mais d'où vient la solennité, la solennelle exigence d'un jugement d'un Giordano Bruno qui, dépassant les limites de la mort, réclame encore que les choses soient dites? Qu'est-ce qui fait que la vérité ne peut s'arrêter au stade de la conviction? Pourquoi implique-t-elle de se lancer sur le chemin périlleux de l'assertion? Alors ce passage est évidemment une manière allégorique de parler de sa propre situation et de la situation des intellectuels de l'immédiate avant-guerre. Comme on le comprend ici en filigrane, la peur n'est pas absente de sa démarche, mais il considère alors qu'il est nécessaire de continuer d'affirmer, à l'instar de Giordano Bruno et de Galilée, une pensée critique fondée sur la raison, quels que soient les risques encourus. Alors certes, Nakai a ensuite été emprisonné, Nakai a ensuite rédigé un tenko, mais comme le souligne Tsurumi-Shunsuke, le tenko de Nakai n'a pas le même sens, la même portée que celui de Nabeyama ou de Sano, dans la mesure où il n'était pas communiste et il n'a pas abjuré des choses dans lesquelles il croyait. Après-guerre, il resta d'ailleurs très cohérent avec lui-même, comme cela a été souvent souligné. Il n'a quasiment pas varié de ses positions d'avant-guerre, hein, ce qui est assez rare pour être souligné. J'aimerais d'ailleurs juste vous lire un tout petit passage, parce que j'ai entendu à plusieurs reprises dans nos débats que la réflexion et le débat sur la mémoire de la guerre, sur le sens à donner à la guerre, ne serait apparu qu'après les années 50. Il me semble que quelqu'un comme Nakai, très très tôt, prend position pour dire qu'il faut réfléchir à ce qui s'est passé pendant la guerre. Je cite un passage qui est un témoignage, en fait, d'une romancière, Yamashiro Tomoe, et qui explique que Nakai, en 1946-1947, s'adressait aux paysans pour leur dire des choses comme « Cette région de Bingo, je cite, a vu naître et grandir les troupes d'élite du 41e régiment, ces troupes d'élite, ces redoutées des Chinois, troupes qui, en Chine, ont accompli l'exploit impensable de franchir la rivière Wenzhou. » La rivière Wenzhou, c'est la rivière qui est juste à côté de Shanghai. « Devenant ainsi le fer de lance des massacres de Nankin, sont issus de cette terre. Notre réflexion sur la guerre ne doit-elle pas d'abord nous amener à comprendre le pourquoi de cette honte et à chercher un moyen de nous racheter ?» On a des exemples de ce type nombreux dans les mouvements citoyens du côté de Hiroshima, autour de Nakai en particulier. Le dernier point qui me semble caractériser Nakai comme penseur contemporain est une critique du rapport entre l'appareil de production industrielle et la société civile. L'homme, du fait des mensonges inhérents à la logique marchande qui domine le système de production, a perdu aux yeux de Nakai l'accès à la compréhension de la généralité des concepts des produits qu'il fabrique et qu'il consomme. Dès 1936, il écrit des choses comme les masses humaines ont été aliénées de la co-générativité des concepts d'outils, ou pour le dire autrement, mises à l'écart d'une collaboration concrète à l'effort de compréhension de la généralité du concept. Elles n'ont accès qu'aux signes des produits qui leur sont fournis et sont laissées à la merci de la répétition du quotidien. Certaines personnes ont-elles conscience de collaborer à la création de la généralité du concept de ciment, c'est-à-dire de participer ou d'être associées à la finalité technique ? Au stade actuel, le ciment est perçu par l'ensemble des gens comme une poudre gris-blanc, c'est-à-dire uniquement comme un simple signe. La rationalité même des hommes a été dissociée de force de la généralité de la technique. De toutes les choses dont nous faisons commerce, y en a-t-il simplement dont nous saisissons ou dont nous cherchons à saisir la généralité? Les voitures dans lesquelles nous montons, les soies synthétiques que nous portons, tout est reçu sans le moindre regard en profondeur sur la généralité que les comités secrets des usines ont entre leurs mains. Ce qui compte pour Nakai n'est pas Ce qui compte pour Nakai n'est pas de restaurer l'homme dans une quelconque plénitude, et cela à la différence des romantiques et même des communistes qui partagent sur ce point quelque chose d'absolument crucial, mais de lui permettre d'avoir de nouveau accès à la compréhension de ses outils et de son monde pratique, ce qui passe par un réveil de l'esprit critique. Il y a donc chez Nakai les linéaments d'une réflexion qui deviendra centrale dans les années 60-70, par exemple chez Baudrillard, comme le relève Hassimi.
Toutefois, il n'y a pas chez Nakai ce pessimisme qu'on trouve chez Baudrillard. Il valorise les structures décentralisées, les initiatives locales. Il imagine une société nouvelle où les différentes entités s'organiseraient d'elles-mêmes en chaînes de comités, des inkai non hiérarchisés, le premier émettant le projet, le second l'évaluant, le troisième le mettant en œuvre, de sorte à constituer des boucles vertueuses. J'en arrive à ma conclusion. Au terme de ce rapide exposé, j'aimerais essayer de tirer quelques conclusions. Si Nakai doit, avec Hashimi, c'est l'hypothèse, donc, être vu comme un des précurseurs de la pensée du Japon contemporain, cela implique, ou en tout cas de la pensée contemporaine, cela implique de considérer que, un, la pensée contemporaine est une pensée d'après-guerre, au sens d'une pensée qui s'oppose à toute logique d'avant-guerre, c'est-à-dire qui s'oppose à la perspective de toute préparation matérielle et mentale à la guerre. Deux, la pensée contemporaine, qu'on appellera maintenant la pensée contemporaine slash d'après-guerre, est une pensée qui se méfie des logiques de peur, des prédictions apocalyptiques, comme de l'exaltation romantique du combat et de la mort. Elle vise, malgré la conscience du danger, à rester rationnelle et critique, car elle sait que la peur engendre la violence. Trois, la pensée contemporaine slash d'après-guerre est une pensée inspirée à la fois par les Lumières et par une lecture hétérodoxe de Marx, qui rejoint par bien des aspects la théorie critique de l'école de Francfort. Et il est significatif à cet égard que la réception de l'œuvre de Nakai et celle de Benjamin, Adorno, Marcuse, entre autres, obéissent à peu près à la même chronologie et reposent en partie sur des auteurs similaires, à commencer par Kuno, Hadiuichiro ou encore Tadamichitaro. Bien qu'elle ait été très violemment décriée, l'entreprise de la théorie critique a répandu son dégrippant dans tous les domaines de la pensée. Partout dans les pays industrialisés ont été débusqués les mythes des origines, les horizons en carton-pâte, les pseudo-transcendances, les hypostases cachées, et jusqu'à la transformation des outils critiques en fétiches. Elle s'est même retournée contre sa propre famille, l'orthodoxie marxiste, précisément parce qu'elle était devenue orthodoxe, n'y a pas survécu. Toutefois, le paradoxe, me semble-t-il, est le suivant. Alors que la théorie critique est née contre les nationalismes et les fascismes, autrement dit des idéologies qui hypostasiaient une race, un territoire, des origines, depuis les années 60-70 et la perte d'influence de la culture chrétienne en Occident et la dissolution à partir de 89 de l'Empire soviétique, la théorie critique est moins efficace car, au fond, le libéralisme économique qui domine désormais sans partage valorise lui aussi la nouveauté et la remise en question permanente. Sa fluidité le rend quasiment insensible à la critique. On peut même aller jusqu'à dire que la théorie critique et toutes les initiatives de déconstruction sont devenues les alliés objectifs du libéralisme économique dans la mesure où elles contribuent à faire émerger de nouveaux segments de marché. Ce qui m'amène donc à mon tout dernier point. Il n'est pas rare d'entendre ces temps-ci que le monde actuel, et le Japon en particulier, évoque les années 30. On l'a entendu du reste hier. Les richesses sont outrageusement polarisées, ce qui favorise les conflits. Deux, la pensée critique tend à être phagocytée par la logique de marché. C'est quelque chose qu'on voit très très bien dans la spéculation qui domine dans le monde de l'art contemporain. Et enfin, trois, le nationalisme irrationnel fait son retour partout et le processus de rivalité mimétique est enclenché dans plusieurs régions du monde. La pensée critique a su combattre remarquablement les pensées substantialistes qui voient quelque chose, qui voient Edvas, Nanika, Nanika no mono, qui voient quelque chose là où la science ne décèle que des systèmes relationnels. Mais dans le même temps, elle a besoin des pensées substantialistes pour être efficace. Sinon, elle ne fait qu'alimenter la logique de marché, qui d'ailleurs, si on extrapole à partir de Max Weber, peut se comprendre comme sa propre dérivée. La pensée contemporaine, en tant qu'elle doit être une pensée d'après-guerre, tournée vers la paix, doit donc d'une part rester orientée vers tous les irrationalismes nationaux, religieux, sociaux, parce que c'est là qu'elle est efficace, mais aussi, dans le même temps, calmer, rassurer, soigner les peurs, parce que c'est l'expérience du passé qu'il demande. C'est entre ces deux impératifs, en partie contradictoires, que nous sommes pris aujourd'hui. Dans cette situation délicate, il est important d'avoir le sens du moment, de l'opportunité, autrement dit d'avoir le sens
de ce qu'on appellerait en japonais le ki, le kikai. Et pour cela, nous pouvons de nouveau nous référer à Nakai, qui a laissé de très beaux développements que je vous invite à lire sur le sujet. Et je crois, en tout cas, je voudrais croire qu'il y a quelque chose actuellement à faire pour les intellectuels japonais. Je vous remercie. Ijo desu. リクレンさん、 どうもありがとうございました。中井正和という今ではほとんど忘れられた思想家、美学者を思想家として取り上げて、そして彼が現代思想のその思想家であると、そしてかつこの中井の論点というのが現在においてもとても有効であるということを非常に明確に論じていただきました。